Alors, Lion Rouge, prêt pour cet épisode? Ah, c'est vrai, tu vas m'intégrer plus à tes épisodes, moi, Lion Rouge. Non, je déconne. Allez, salut, ici Dot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 13 de Zelda Wind Waker. Oh yeah. Et nous sommes en pleine mer pendant la nuit. Pas très rassurant tout ça. Nous avons autre chose à faire. Nous cherchons donc le sage qui pourrait nous ouvrir la porte de l'île de la Terre hein, pour le donjon. Et je me suis dit, mais cet instrument-là, je l'ai déjà vu, mais quand? Alors j'ai regardé un petit peu mes let's play, j'ai pas voulu regarder la solution, au moins ça m'a permis de me voir un petit peu jouer. Et c'est vrai que je joue comme une brêle. Ah, je rigole. Et je me suis dit, mais oui, celle qui a cet instrument-là, c'est Medoli. Eh bah oui les amis, Medoli de l'île du dragon. Et vous souvenez-vous quand on allait sur l'île du dragon pour aller chercher la lettre, parce que j'avais une lettre? Bien, nous entendions des bruits, nous entendions une musique. Eh bien, allons voir ça. Je suis sûr que c'est elle qui faisait cette musique-là. Alors, c'est parti. Oh yeah, my friends, let's go. Je sens que cet épisode 13 va avoir beaucoup d'action, va conduire beaucoup d'action. Puisque si on rentre dans le donjon de la Terre, voilà quoi, on va pas... On n'y va pas pour se mettre les doigts de pied en éventail. Vous entendez cette musique là? C'est celle là dont je parlais. Alors allons voir ça de plus près. Je suis certain. Quand la boîte est qui danse. Ah, je suis sûr, c'est pour me dire voilà, il faut que tu payes 201. Ouais, c'est ça. Ah, les amis, je sais pas. Hein, je sais pas. Bon, allez, je l'achète. Hein, parce qu'il y en a qui veulent savoir ce que c'est. Donc je vais vous. On va voir ça maintenant. Cher Lutin, merci beaucoup pour ta rétribution. Je t'envoie ce courrier, la super carte. Elle t'indique où se trouvent les cartes de la Triforce. Ah bah c'est parfait, grâce à elle, j'espère que tu mettras la main sur ces cartes dont je suis fou. Lutin, désolé, je n'ai pas réussi à localiser précisément la dernière carte. J'ai l'impression qu'elle change de place toutes les nuits. J'espère que tu n'en voudras pas trop. À propos, la carte de Tingle montre aussi où trouver les grandes fées. Ah bah c'est parfait. La super 4. J'ai bien fait en fait de débourser des rubis pour un bout de papier. 201 rubis, bon c'est pas grave, on en a 349, ça devrait aller. C'est très beau ce qu'elle fait comme musique, hein. Je la critique pas, mais j'ai l'impression qu'elle fait toujours les mêmes notes. Hein. C'est facile. Hein. Ça, je vais aller me diriger là-haut et regardez, je peux monter à l'étage ici. Alors on y va. Allez Link. Il fait nuit, il y a une demoiselle dehors qui joue de la musique, c'est le moment d'aller l'accoster, tu me comprends? Salut, père de Scaff. Hop. Moi, je rentre chez les gens, comme ça. Hein. Link, c'est toujours comme ça, il rentre chez les gens. Non, c'est pas par là, d'accord. Me suis trompé d'endroit. Donc là, je suis dans la chambre de Medoli. Nickel, tout le monde est dans sa chambre, on dirait qu'il vient d'avoir un gangbang. Peut-être pour ça qu'elle est sortie. Alors, c'est par ici, je pense. Je le sais, c'est par là. Je le sens. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il joue là-bas. Allez, on va lui rendre visite. C'est parti. La petite branche. Le bruit de la corde qui s'enroule. C'est bien. Oh yeah. Je te vois, Medoli. C'est parti. Tu mets du cœur. Oh yeah, I'm a rockstar. Oh, Todd, tu as l'air d'aller bien. Scaff m'a raconté toutes tes aventures. Je suis rassuré de voir que tu as l'air en pleine forme. Tu as vu comment Scaff va bien? Maintenant, il fait tout seul quand je ne suis pas là. Et il ne parle que de toi. Je suis ravi de le voir devenir aussi indépendant. Mais je dois avouer qu'au fond, j'ai un petit pincement au cœur. Ah, l'amour. Je suppose que c'est un peu le sentiment que doivent avoir les mamans qui voient leur enfant en dire. Ouais. C'est curieux tout de même. Allez, je dois continuer à travailler pour pouvoir moi aussi aider mon entourage. Sais-tu que la musique fait partie des choses qu'une servante doit apprendre? Alors les amis, je ne me souviens plus, comme j'ai une mémoire de poisson, je ne me souviens plus. Alors, bas, centre, droite, gauche, bas. C'est parti. Non, je vais pas l'embrocher avec mon grappin, je vais éviter. Bas, centre. Todd, et si tu me dirigeais? J'espère que je vais être à la hauteur. Oh. Alors. Je me suis concentré, hein, je vous promets, je voulais pas me failer. Nickel. Parfait. Oh yeah, Medoli. You are a rockstar, my friend. Mais maintenant, tu vas me suivre, je vais te séquestrer et tu vas venir avec moi dans un temple plein de monstres. C'est étrange, j'ai l'impression que ce morceau me rappelle quelque chose. Un tas de choses me reviennent. Ah, oula.
Oh, oh Link, comment tu as rattrapé? C'était magnifique. Oh mon dieu. Alors pour ceux qui savent pas, cette créature là qui est devant Midoliz s'appelle un Zora. C'est un poisson en fait. Hein. Et je sais pas pourquoi ils ont pas survécu pour parce que c'était un déluge qui s'est abattu sur Hyrule comme a dit le roi. Alors pourquoi les Zora n'ont pas survécu? Attendez, je me tais pour la musique. La voix du sage vient de me parler. Elle m'a révélé ce que je devais faire maintenant. Et alors, Tot, grâce à toi, je suis devenu le sage du temple de la terre. Ouais, je sais. De rien, surtout. J'ignorais que je jouerais un jour un rôle aussi important. Mon professeur le savait sûrement. Pleure pas, Biquette, ça va aller. Tot, conduis-moi au temple de la terre, s'il te plaît. Dépêche-toi. Excalibur doit vite retrouver tous ses pouvoirs. Bah, si tu... Oh là là. Partons sans plus tarder. Oh, je sens l'arrachement dans le cœur, là. Il a explosé en mille morceaux pour Scaf. Parce que quand même, je tiens sa copine dans ses bras. Enfin, sa prochaine copine, je pense, parce que voilà, quoi. Waouh, je parle à la cortège, ma copine. Foiré. Ah merde, ils sont plus là. Putain, quel con, j'aurais dû venir il y a 10 minutes. Oh là là. C'est raté, Scaf. Bon, je t'emprunte ta copine. No problemo. Hein. Bon, les amis, un dilemme s'offre à moi maintenant. J'ai timé la vidéo. En clair, là, ça doit bien faire 10 minutes qu'on enregistre, hein. 10 bonnes minutes, mais un petit peu moins ou un petit peu plus, je ne sais pas. Si je fais le donjon tout de suite, la vidéo va durer, je pense, plus d'une heure parce que les donjons de l'île de la Terre et de l'île du Vent sont assez grands. Très, 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 très grands. C'est pas les vieux donjons qu'on a déjà eu à faire, genre à la Tour des Dieux. Donc, les amis, je vous propose un épisode de quête. Aïe, 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 il y en a déjà qui soupirent. Les amis. S'il faut que je combatte Ganon, que je combatte des gros monstres, voilà, il faut quand même que je me prépare. Donc, je vais en premier lieu faire un truc assez sympa, c'est-à-dire que je vais faire toutes les fées. Oh yeah, toutes les fées, my friends. Et comme j'ai une nouvelle carte, une nouvelle carte qui est là, voilà. Alors, déjà, je déplie mes cartes au trésor, voilà. Carte de Tingle. Ah, génial, cette carte de Tingle est... Oh là 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 là. Attends, j'ai pas... génial. Ah non, voilà, j'ai eu peur, je croyais que c'était la super carte. C'est que je croyais que c'était sa super carte. Donc Tingle est là, là il y a deux grandes fées. Alors, celle au-dessus de Tingle, je l'ai pas faite. Et celle qui est... Donc là, vous voyez celle en bas, là, je peux pas la cibler. C'est celle de l'île de l'Aurore, donc je l'ai déjà eue. Merci Tingle. Donc je vais aller celle au-dessus de l'île de Tingle. Oui, c'est Tingle, oui. J'entendais déjà qui disent, mais pourquoi tu dis Tingle, c'est Tingle. Oh là là, mais dites pas Tingle, c'est tellement moche. Non, c'est là, île de Tingle. C'est parti, les amis. Je vous promets qu'il va y avoir de l'action. Il va y avoir des lotus qui vont voler, je vais avoir des pouvoirs en plus, etc. Je vais me devenir un super saiyan. Ne vous inquiétez pas. Puis au moins, comme ça, ce sera fait. Alors, on va aller au nord.
vous souvenez, c'est comme si on revenait en fait voir le Tentacle Man. Je crois que je l'avais appelé comme ça. D'accord, c'était déjà au nord. Je me suis fait troller. Il y en a qui disent ah, tu t'es fait avoir comme un grenouille. Exactement, les amis, comme un grenouille. Eh bien, faisons la route avec ce petit requin. Alors là, donc vous voyez, nous avons une passagère en plus, hein, c'est Medoli, qui squatte en fait. On est taxi, nous. Hein. Je suis peut-être lion, et le lion est peut-être rouge, mais je suis taxi. Donc allez, c'est parti. Voilà, ça, îlot septentrional des fées. Empressons-nous d'aller voir ça. Ensuite, il y en a, je sais qu'il y a un autre îlot qui est facile d'accès. Quand, en fait, vous vous souvenez, l'épisode précédent, quand j'ai fait toutes les îles, forcément, j'ai croisé toutes les îles des fées. Et il y en a, je me suis dit, tiens, faudra la faire, celle-là. Oh, celle-là, on peut pas la faire. Ah, celle-là, faudra que j'y aille. Voilà, donc, on ira les voir juste après. Regardez, elle est là-bas, l'îlot fée. Vous reconnaissez ce petit... cette forme de coquillage. Bon, est-ce que le jour va bientôt se lever? Oh, mon Dieu. Eh, tu te calmes, toi. Donc vous voyez ces poissons là, vous les voyez? Alors moi j'en ai vu 41 l'autre coup et c'était pas mal hein. Attends, hier soir j'ai fait un cauchemar de poissons, je vous dis pas. Ils voulaient tous, ils venaient tous vers moi, ils me donnaient des appâts à poissons et je devais tous les manger, je devais faire des dessins. Je vous promets. Oh, ça peut voir. Allez, on y est presque les amis. Presque, on y est presque. Ah, quel temps de pluie, hein, de chien, bon, plutôt. Ah là là là. C'est bon, je pense que le requin va se casser. Il se casse toujours pas. Je crois que lui, il veut vraiment mourir. Hein. Franchement. Mitoli, nickel. Mais où on va, Tot? On va voir une fée et on va passer la nuit avec elle, tu vois, ça va être sympa. Tais-toi, le requin, on n'entend pas la musique du jour. Oh, bah en plus, c'est ouvert, les amis, regardez. Ah. Attendez, je m'arrête deux secondes. Ah, voilà, un peu de calme. Nickel. Oh. Hé, hey, quoi, toi? Oh, oh, qui croirait que... Mais oui! Mais tu as raison! L'eau est bleue! Non, je sais pas ce qu'il a vu, il y a... Bon, on ira les voir après. Il y a une sorte de bateau là-bas. Ah, un peu d'action, les amis, je vous en avais promis. Je tiens mes promesses, je m'appelle Tot. Donc... Fée, donne-moi mes pouvoirs, dépêche-toi. Boum! Oh my god. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Par le pouvoir du lotus, je t'offre un bonus. Oh yeah! Mais c'est des feuilles! Alors qu'est-ce que nous avons en plus, les amis? Parfait. Nous avons la bourse ultime. La bourse ultime. 5000 rubis, je peux. Je peux avoir 5000 rubis dans ma bourse. J'aime bien le mot bourse. Elle aussi, d'ailleurs, je pense. Pardon. Pas besoin de fée. J'ai déjà mon flacon de rempli. C'est parti, les amis. Alors, 5000 rubis, j'ai envie de dire. C'est plus que parfait. C'est plus que parfait. Dommage que nous n'avons que 349 rubis pour remplir. Bien, allons voir cette... Donc, ce que a remarqué... Oula, la queue de Medoli qui s'envole au vent, c'est pas mal. Regardez. Avoir l'opi. Ah, regardez. Wouh ! On dirait du coton. C'est là-bas qu'il l'avait vu. C'est où qu'il l'a vu? Là-bas. Alors, on pressons-nous. Parce que souvent, quand un PNJ nous dit ça, il fait « Oh my god, what is this ?» Faut souvent aller voir ça. Donc, je vais aller vérifier. Le goéland est avec nous. Donc, nous avons une mouette, un lion et un piaf avec nous, dans notre bateau. C'est pas mal, quand même. Allez, on y va. Ensuite, les amis, nous irons ici. Ici. Je vais y arriver, les amis. Je vais y arriver. Celui-là, voilà. Vous voyez, on aura à se téléporter en fait à ça ou à ça. Et on ira. Enfin bon, trêve de bavardage. Et on y va. Allons voir donc ce sous-marin.
Ah, attendez les amis, j'ai quelque chose à faire juste avant. Voyez, ils dorment, donc faut pas que je parle trop fort. Alors je vais aller derrière eux, je vais faire mon enfoiré et je vais lui voler. Ça. Voilà. Oups, maintenant tu meurs. Wouh. Toi aussi. Merci. Très important les amis, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est pour ça que je vais récupérer. Pareil, lui il dort. Oh chut. Hé, piquette. Tiens. Tiens. Plouf. Hop. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Hop. Plouf. Voilà les amis. Ça c'est fait. Du bon travail, moi j'ai envie de dire. 17, il nous en faut, si ma mémoire est bonne, 20, je crois. Ou 25, 20 ou 25. On va dire 20, parce que moi j'aime bien quand c'est plus simple. Oh mon dieu. Les amis, êtes-vous prêts? C'est l'heure du duel. Je t'ai vu. Boom. No, you're dead. Ah, je suis en feu. Appelle-moi Brand, mec. Allez, attaque-moi, je t'attends. Ok, bon bah... Ah, tu peux, je sais pas, hein, tu veux pas attaquer, bah je t'attaque. Tiens, un coup de FS, ça fait toujours du bien. Oh là là, ça lag un petit peu. Il y a trop de feu, il y a trop de feu, les amis. Voilà. Un peu de ménage, hein, un peu de ménage. Moi, j'aime pas les gencives tombantes. Je les retiens. Et ça nous fait beaucoup de rubis en plus, les amis. Que demande le peuple? J'ai pas. Non, ça c'est autre chose. On sait jamais, hein. Donc il faut que je saute de lanterne en lanterne. C'est parti. Lanterne, 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 lanterne. Oh là là, elle pouvait pas être droite. Bah non. Tot, hein, elles aiment bien troller les lanternes. Je vois ça. Non, je suis plutôt... Clouc. Vous savez que j'aime pas cet exercice, je vous l'ai déjà dit. Oh yeah. Take that. Hop, je descends. Non. Non, Tot. Oui. Exactement. Heureusement qu'il n'y a pas de timer. Hein. Ouais, allez. Je vais essayer de bien viser. Hop, la prochaine, la prochaine. Allez. Non, j'aurais pas, pas. Je préfère pas. Je veux pas faire mon show. Hein. Surtout sur ces trucs-là. Moi, je fais pas mon show. Qu'est-ce que je peux vous raconter pendant que je saute de lanterne en lanterne? Saviez-vous, je sais même pas quoi vous dire, saviez-vous, saviez-vous pourquoi, cherche un truc, pourquoi je me donne tort de malin, c'est bon, on est arrivé. Donc ça c'est fait. Alors j'espère que c'est un bon, ah c'est un coffre de type moyen, donc c'est pas un c'est peut-être un objet, je vois ce que c'est. Toto, est-ce que c'est toi? Toto! Toto! Toto, nous avons besoin de toi. What is the fuck? J'ai fait ça pour une carte au trésor. Je suis désolé, les amis, je suis désolé, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Je mérite le fouet, je mérite le fouet. Je mérite ça, je mérite ça. Je vais me fouetter là avec les petits trucs là. Allez, fouette-moi, fouette-moi. Ah! Ça fait mal, Link, hein. Tu arrêtes, hein. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Allons à cette île septentrionale des fées, les amis. Je crois qu'elle s'appelle comme ceci. Je vais utiliser la tornade sur moi-même. Faudra peut-être que j'accompagne Lion Rouge et Médolink. Mais Tot, qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure? Tais-toi. Ah là là, les femmes. Je rigole, bien évidemment. L'île se trouve... je vais partir de la tour des dieux, comme ça, ça fait une ligne droite. Parfait. Oh, regardez le grand amour entre les deux. Oh. Et là, ils essaient de me faire croire qu'ils arrivent pas à dégueuler là-dedans. Oh, excuse-moi, Link, mais les voyages comme ça... Oh, j'ai pas l'habitude de la mer. Ah là là, les femmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Oh, excusez-moi les amis, excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est toute cette mer là, ça me fait penser à l'été, parce que je suis pas encore à la plage.
Enfin, la plage est à côté de chez moi, mais disons que c'est pas la même température. Donc voilà. C'était l'instant irréel de Tot. Let's go. Tu vois, Medoli, je t'avais promis. L'eau, la mer. Mais moi, je veux simplement aller à la Terre, à l'île de la Terre. Tais-toi. Tu es... De toute façon, tu peux pas descendre, donc c'est moi qui décide. Hé hey, on y allait à celui-là, les amis? Celle... Non. Attendez, je regarde bien. Du côté gauche. Ah, donc c'est en l'air. On est allé à celle-ci? Je crois. Oui. Je me souviens, on a fait l'aller-retour. C'était un truc à ouvrir avec une bombe. Oui, je me rappelle. Merci pour ceux qui me l'ont dit là pendant la vidéo. Ah, bah voilà, regardez. Juste là-bas, le... Oh! Regardez. Qu'est-ce que je vois là? Un petit trésor, non? Allez, on en prend un. Il est juste là, sur ma gauche. Wouhou! Mais Dolly, regarde, nous avons peut-être trouvé quelque chose. Non, c'est pas... Oh, je lui tiens la main, regardez. Eh, franchement, il se permet tout, Link. Ouh, il était long, on va remonter celui-là. Oh, regarde, mais Dolly, c'est peut-être Toto. Qu'est-ce que t'as regardé, mon cul? C'est rien, ça. Ah, parfait, des rubis, c'est ce qu'il nous faut, les amis. Il me faut un max de rubis. Parce que, bah, vous verrez. Mais moi, je m'en rappelle, il faut des rubis. Et ça, c'est très... C'est dur hein, d'avoir un max de rubis. C'est pour ça, c'est bien. Là, on a la bourse de 5000 rubis. J'aime bien dire rubis. J'avais pas les mains sur la manette. J'étais en train de faire des gestes avec mes mains pour dire oui, plein de rubis. C'est bien, plein de rubis. Y a des mouettes qui volent comme ça. Chaque fois, ça me fait penser à Mister Tentacule. Mais non, je pense pas, là. Là, il pleut d'un coup. Là, je pense plus. Non, c'est bon, les amis. Rien. No problème. Bon, un petit épisode en mer, hein. Ça fait pas de mal, et puis avec des bonus en plus. Hein? Moi, je dis, c'est bien. On est bien. Ça va faire que... 20 bonnes minutes qu'on est là, ensemble. On aime bien passer... Moi, j'aime bien passer du temps avec vous. Je vous promets. Même si vous n'êtes pas là physiquement. Hein. Allez, on y est presque à cet îlot de fées. On ira là-bas après. Vous voyez là les sortes de, on va dire des tours de gay. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de femme là-bas. Ah oh, la blague. C'est parti les amis. Avant, j'ai une revanche à prendre. Toi là. You want the what? You want it? Take that. Take that, my friend. It's not super effective, you know. You know that. Boom. Je vous explique, en fait, quand... quand j'ai fait mon truc avec les poissons, je l'ai rencontré, c'est ici même que je me suis fait péter. À un moment, vous me voyez tomber dans l'eau. Et c'est à cause de lui. Donc voilà, j'ai pris une petite revanche. J'aime bien me venger. La vengeance, c'est bon pour l'esprit, les amis. Faut pas croire que c'est quelque chose de mal, hein. Pas comme on vous dit dans les films. Hein. Pas croire ce qu'il y a dans les films. Moi, vous voyez, je crois toujours au Père Noël. Parce que dans les films, ils disent que le Père Noël, il n'existe pas. Hein? And now you are dead. Je crois que les plantes ont compris que je ne rigolais pas. Elles se cassent. Oh yeah. Fée, donne-moi des pouvoirs en plus. Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît. Je sais pas vous, mais je trouve qu'ils ont bien fait de... Bon, je vous le dirai après. C'est pas très important. Par le pouvoir... J'ai cru que ça avait bugué. Par le pouvoir du lotus, donne-moi des bonus. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est des flèches en plus, les amis. Mais parfait, un carquois encore plus gros. Parce que moi, j'aime quand c'est gros. Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 60 flèches. Parfait. Effet de cette source, suivante, telle blessure, etc., etc. Tu connais le refrain. Allez, salut, bye bye. Je vous promets, elle a dit ça. Bon, allez. Ça, c'est fait.
Voilà. Donc là, les amis, nous sommes déjà mieux équipés. Parce que moi, 30 flèches, moi, j'y arrivais pas. Moi, c'était pas possible pour moi. Où est... Alors, regardez, regardez cette île, archipel de Cassiopée. dédicace à ceux qui jouent à LOL. Où est la dernière... île occidentale. Ok, la prochaine, c'est par là, les amis. Mais avant... Ah, mais il a respawné, lui. Toi, tu veux la guerre, toi. Toi, t'as rien compris. T'as rien compris au film, tu sais. Bye. Oh, tire tous les deux comme des brels. Oh là là. Oh. Quand même. Je prends ce qu'il avait. Parce que moi, j'aime bien prendre ce que les gens ont. Tu te calmes. Hop, toi, tu reviens là. C'était une petite mise en bouche. Clouc. Clouc. Plein de rubis. Prends, 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 prends. Parfait, les amis. Allons-y. Essayons d'être vigilants. Parce que je crois qu'ils sont armés. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste changer le vent de place. De sens, je voulais dire. Et j'aime quand je me fail, surtout sur un truc aussi simple. Mettons le vent dans le bon sens. Yes, les amis. Nous pouvons maintenant arriver en douceur. Je crois qu'ils ne m'entendent pas. Il fait nuit, donc ils doivent dormir. Ne faites pas de bruit surtout. Chut, chut. J'ai dit de pas faire de bruit. Oups. Wow. Hey, dodge, j'ai envie de dire. Dodge, non. Non mais franchement là elle a dû en prendre un coup mais Tony parce qu'elle vient de se prendre une bombe en pleine face, c'était juste énorme. Alors là je ne sais pas pourquoi les canons. Ah bah ils peuvent pas me viser, c'est vraiment mal foutu hein. Imaginez il y a un canon juste derrière l'échelle. Ça pourrait être mieux quand même. Les amis, il n'y a personne sur ce. Il n'y a personne. Mais il y a un masse d'argent. J'ai tout volé. C'est pas normal qu'il y ait personne, d'habitude il y a toujours quelqu'un. Fait troller les amis. Il y en a au moins là-bas des monstres. Ouais, j'en vois. Ils sont violets. Et je prends tout ce qu'il y a ici au moins. Parfait. Ok, nous avons une tour de guet. Et les guets sont partis. Les guetteurs, pardon. Yon rouge, cours. Cours, 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 cours. Là, commence, là, commence, là, commence. Il est où là-bas? Allez, allez. Enfin, cours. Façon de parler. Ah ok, et là il y a des mecs mais c'est pas protégé. Cherchez l'erreur les amis. Autant pour moi. Autant pour moi. Je me suis fait troller encore une fois. Regardez, c'est tout simple. Je vais devoir remonter là-haut. Tot, il s'est trollé comme un grenouille. Ah ah ah, lolo, lolo. Oh oh oh. Et non, tu y as cru hein. Je m'arme de ma feuille magique. Et regardez plutôt. Si je voulais bien monter, voilà. Je sais pas pourquoi ça. En fait, il faut voler jusqu'à l'autre ponton, tout simplement. J'aurais pu le voir ça quand même. Ça me fait perdre du temps. J'aime pas quand on perd du temps. J'aime pas. J'aime pas. Allez. Hop, dans le bon sens, s'il te plaît, Link. Tout de suite, Biquette. Alors, tu me le mets par là. Le vent a changé de sens. Et tu as toujours aussi l'air étonné. Voilà, franchement, s'ils me voient pas, ils ont quand même des longues vues. Like a boss, my friends. Like a boss. Alors là, c'était magnifique. Attendez deux secondes. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, franchement, je suis fier de mon coup pour la bombe, même si c'est pas moi qui l'ai fait. Ça a presque fait une touche, en plus, j'arrive à voir un mec. Et ça, le one shot. Beau gosse, j'ai envie de dire. Bien joué, Link. Mais c'est pas moi, c'est toi qui me contrôle. Ah oui, ça. D'accord. D'accord. Donc, vous aimez me troller à ce que je vois.
suis désolé les amis, je suis désolé, je pensais pas que ça allait faire un... que ça allait être aussi fail. Une graine de baboka, ou de bakboka, ou de balbuka, ou de bazooka, ou je sais pas quoi. Mais ça sert strictement à rien, quoi. Ça sert à faire une potion, mais qui pour moi n'a aucune utilité. Completely useless, my friends. So, bon, ça va, ça nous a fait un petit moment de rigolade, hein, avec ces... donc, empressons-nous, parce que là, on va arriver à la fin de l'épisode. Mais chut, il faut pas le dire. On va arriver à la fin. Donc, il faut aller sur l'île, la dernière île de fées. Où, bah, forcément, le dernier truc, ce sera, des flèches en plus. Parce qu'on peut pas avoir plus de bonus. Oh, yeah. Aïe, 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 quand je pense que j'ai fait ça pour une graine de baboka. Faut pas se dire ça, les amis, faut pas se dire ça. Faut pas que je me dise ça. Alors, attendez, je regarde. Je vous le dirai pendant la route. Faut pas se dire ça, parce que j'ai eu 3 pendentifs du bonheur. Ah, 3 pendentifs du bonheur. Et cela veut dire donc, avec des rubis en plus, que nous pourrons combler les désirs de mademoiselle la maîtresse. Et quand je dis combler les plaisirs, c'est bien lui donner les pendentifs du bonheur et rien d'autre. Merci pour ceux qui en pensent autre chose. C'est Guegai, dédicace à toi. Ah, merci, toi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, trêve de plaisanterie. Donc, nous croisons l'île de la Rocaille. Je vous rappelle là où l'ancienne base de Jabu. Parce que quand Jabu, Jabu soif. Ah, j'adore cette blague. Ah là. Très bien. C'est vrai que cette île est vraiment. Waouh! Avant c'était plein quand même, c'était. Allez, on y est presque. Donc comme ça, l'effet c'est fait, sans mauvais jeu de mots, l'effet c'est fait. On a plein de bonus en plus et on est prêt donc pour attaquer les deux prochains donjons. Et je vous le promets, pour le prochain épisode, ce sera le donjon de la Terre. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps parce que j'en suis certain, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était pour cet épisode-là le donjon de la Terre. Je ne peux pas, les amis, je ne peux pas. Je dois faire durer le plaisir. C'est comme ça que, après, quand on voit la chose qu'on attend le plus au monde, on est en extase. Peut-être pas en extase devant un de mes épisodes, mais au moins un truc. Voilà, c'est pas de la rigolade. Enfin. Ah. Là, nous avons plusieurs choses pour terminer l'épisode, les amis. Regardez, nous avons donc l'île aux fées. Une tour de guet avec des guets et là-bas un petit bateau. Ah, belle musique. Mais commençons par l'îlot de fées qui est entouré, qui est la proie des flammes, on dirait. Oh, le golem m'a fait peur. Ouh là là, j'ai quand même un petit doute là. Est-ce qu'on peut vraiment y entrer? Normalement, j'ai besoin de... Oui, j'ai besoin de la massue, c'est bon. C'est bon, les amis, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je vous ai cru. Là, ils ont dit... Oh non, il nous a pas contrôlé. Non, c'est pas possible. Non, 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 ne vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il faut. Don't worry, my friends. I have the massue. Je sais pas comment ça se dit, hein. Une massue. The massue. And I shoot my enemies like this. And they die. Bien, mademoiselle l'a fait. Donne-moi des bonus. Tout de suite. Oh yeah. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Par le pouvoir du lotus, donne-moi du bonus. Elle a 4 bras mais pas de jambes. Je sais pas si vous avez remarqué. Allez, donne-moi un carquois énorme qui fait 3 fois ma taille, 99 flèches, les amis. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est nickel. Nickel Chrome, my friends. Regardez plutôt. 99 flèches, 99 bombes. Et une bourse énorme. Énorme. Qui peut contenir plus de 5000 rubis. Moi, je dis, ça me suffit amplement. Parfait. Donc, Médoli, j'espère que tu ne t'es pas ennuyé pendant cet épisode. Si, carrément. Bon, tais-toi, on t'a pas demandé ton avis, de toute façon. Mais tu viens juste de... Chut, tais-toi. Allez, femme. Ah, Tot, qu'est-ce que tu... Ah, mais...
suis désolé, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Je vois pas pourquoi je n'arrive pas à faire la mélodie du vent. Ça doit être Médoli, ça. Elle me regarde, c'est le stress. Voilà, c'est... Allez, les amis, allons voir ce qui se trame sur cette tour de guet. J'espère qu'ils ne font pas des activités assez douteuses. Allons le vérifier maintenant. Déjà, il y en a qui s'amusent avec la longue vue. Oh ouais, j'adore la longue vue. Qu'est-ce que tu fais là, c'est Gogai? Tu t'en vas. C'est Zelda là, c'est pas P-Wheels. Aïe, aïe, aïe. N'écoutez pas Segway Guy, hein. Il fait un peu n'importe quoi avec tous ses jouets. Oh yeah. Bon, bon, bon. Armons-nous de notre grappin-griffe. Dis donc. Coucou. Oh, il y a du monde par ici. Bon, toi, tu dors. Toi, t'es pas beau. Toi, tu... Non. Toi, tu ressembles à ton frère. En plus, t'attaques les mecs. Oula. Eh, hey, tu l'as protégé. Non. 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 Je l'avais pas volé. Ok. Tu viens de tuer. Tu viens de tuer ma proie. Toi, tu l'as aidé. Et toi, t'étais même pas dans le combat. Oh, noob. Voilà. C'était la séance. D'accord. Collier Mac. Bon. Hein. Moi, ce que je veux, c'est des pendentifs du bonheur. Si t'as toujours pas compris, Link, d'où tu vas me chercher des coffres qui ont des pendentifs du bonheur, sans ça mal se passer. Bon, et bien, les amis, cet épisode s'achève là, puisqu'on arrive bien à 30 minutes, je crois bien, ouais, même plus. Donc, cet épisode s'achève là. Il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau, ça on peut le dire. Non, ce qu'on a surtout, c'est qu'on s'est préparé, les amis. C'est une phase préparatoire pour les grands combats qui vont s'annoncer, parce que ça va pas être de la rigolade. C'est pas comme les petits combats qu'on a eu à faire jusqu'alors. Donc voilà, là au moins on est prêt. On a ce qu'il faut, on a du bon stuff. On a plein de... On a une bourse prête à craquer sous nos 5000 rubis. Et donc voilà, on va se quitter là. Je vous promets, l'épisode suivant sera entièrement dédié au temple de la terre, accompagné de notre ami Médoli, qui a une queue plus qu'énorme. Voilà, on arrête là pour les allusions assez, voilà. Et donc voilà, je vous quitte là les amis. Si ça vous a plu cet épisode, si vous aimez les quêtes, mettez des pouces verts. Si vous aimez du rouge, mettez des commentaires. Si vous aimez les mouettes, partagez. Et si vous n'aimez pas les moblins, ne mettez pas de pouces rouges. Ouais, il y en a qui se disent, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'aimez pas... Ok, si vous aimez les moblins, mettez des pouces rouges. Voilà, j'espère que vous n'aimez pas les moblins. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. C'était Todd pour le Let's Play de Zelda Wind Waker.